Bonjour à tous, ici Cléa Sim, on se retrouve pour ce 22e épisode sur Stellaris, avec le Lumen Empyrae, et on s'était laissé dans le dernier épisode, mais on avait gagné une guerre contre les Jabanides collectives. Alors pendant l'inter épisode, j'ai fait quelques actions, hein, notamment pour essayer de diminuer un petit peu les problèmes de faction. Vous voyez qu'il y a une grève par exemple ici. Il y a plusieurs endroits où je me suis amusé, si je puis dire, à poser quelques petits problèmes à nos amis, enfin en tout cas à nos rebelles, hein, pour essayer de favoriser, on va dire, la prise de territoire, etc., ou faire en sorte que ça se rebelle pas, puisque certaines factions sont assez puissantes, hein, je pense notamment. Donc celle-ci ça va encore, mais par exemple celle-ci, vous voyez qu'elle a une possibilité d'attraction 64, ce qui est assez important, et on va faire en sorte bien sûr qu'ils ne puissent plus poser de problème, qu'ils soient tous ou vassalisés, ou enfin ou purgés, ou tout simplement esclavagisés, on va dire ça comme ça. Mais vous voyez que le problème, c'est qu'actuellement la faction des sympathisants de l'Empire est plutôt faible. On n'est même pas à la moitié de la population, ce qui est pas énorme. Il va falloir donc faire en sorte quand même d'augmenter un petit peu les sympathisants pour que ça se passe beaucoup mieux pour nous. Parce que sinon on risque d'avoir quelques petits problèmes. Donc on va calmer un petit peu les guerres dans un certain temps. Et faire en sorte que bien sûr tout ça remonte. Alors j'ai lancé un petit peu des vaisseaux de colonisation histoire d'augmenter la prise de territoire et d'augmenter la faction loyaliste. Ce qui nous permettra bien sûr d'opposer un petit peu plus nos territoires. Alors on avait remarqué dans les commentaires, hein, certains avaient remarqué que les navires étaient portés disparus. C'est rien de bien grave en soi, hein, c'est juste qu'ils sont pour l'instant, les différents navires sont en train de revenir. Tiens, j'ai plus de son du tout, c'est pas normal ça. Mais bon, pas très grave en soi. Je vais juste faire une petite pause et je reviens. Voilà, excusez-moi. Donc rien de bien grave. Bon, alors j'ai bien le son pourtant, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas très très grave en soi. On va pouvoir quand même avancer. Pour le coup, eh ben on va peut-être voir. Alors j'ai lancé plusieurs colonisations. Vous voyez que ça pourra peut-être fonctionner sur certains coins. On verra si ça nous permet de récupérer. Pour l'instant, on va peut-être augmenter un petit peu notre flotte. On tient en termes d'argent pour le moment, ce qui est plutôt pas mal. On voit que les secteurs pour l'instant sont plutôt bien aussi niveau argent, ce qui est plutôt intéressant pour moi. Et je vais regrouper toutes mes flottes. Ah, c'est bon, elles sont en train de se regrouper, d'accord. Ça c'est pas mal, on perd un peu d'argent encore un peu, mais ça va s'augmenter avec le temps, pas vraiment un souci hein, de ce côté-là. Le temps que les différents secteurs se calment, on a un vaisseau scientifique qui ne fait rien pour le moment. Donc on va lui demander de reconnaître les différents systèmes, bien sûr, tout autour de chez nous, pour nous permettre de pouvoir récupérer pas mal de nouvelles choses, pour s'assurer, bien sûr, de la prise de territoire, etc. Ça sera très bien. On va reconnaître ce système-là aussi. Parce qu'on a des choses à reconnaître pour le coup. Ok, déjà là, ça lui fait pas mal d'actions. Et on a un vaisseau de colonisation qui ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il peut coloniser ici? Est-ce qu'il peut coloniser ici, ce vaisseau de colonisation? Dunteris 4, coloniser, s'il te plaît. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il va le réaliser? Normalement, oui, mais... Pourquoi il peut pas? Hein, ah, si. Non? Il est où celui-là? Où va-t-il? La planète a bien été colonisée ici. Très bien. J'en avais envoyé un par ici. Tropical, non. Toundra, non. Désertique. J'ai un désertique par ici. Est-ce que... Cette planète est désertique, je crois. Hein. J'en ai un qui est inactif, qu'on va pouvoir utiliser pour le coup. Très bien. On va l'utiliser pour aller par là-bas. Ah, non. Donc c'est pas ici que je voulais aller.
Non, non, dans ces cas-là, toi, tu vas pas te déplacer par là. On va essayer de te trouver un monde où tu pourras coloniser tranquillement. Toundra. Ici, on a continental océanique. On a océanique, ça m'intéresse pas. Bon, on va te mettre proche d'une planète pour l'instant et on trouvera bien une planète qui nous intéresse. Ici, c'est pour pousser un peu l'avantage, hein, pour essayer de faire, pourquoi pas, tomber Voldop dans notre escarcelle. Ça pourrait être sympathique pour nous. En attendant, on va se poser tranquillement sur les différents secteurs. Et on a deux flottes. Alors, est-ce qu'elles ont été réparées? Non, toi, tu vas te réparer. Tu es où? Tu es là. Et toi, tu es par ici, on va te demander de venir de ce côté-ci pour te réparer. On va les réparer à des endroits différents, bien sûr. Alors, vous voyez, hein, les vaisseaux sont simplement venus ensuite, il n'y a pas eu de problème majeur. C'est très bien comme ça. On va pouvoir réparer un petit peu. On va regarder aussi les factions, en termes de factions. Les loyalistes, voilà, sont en train de remonter tranquillement. On a quand même une grosse faction d'esclaves, hein, qui est à 91%, ce qui est plutôt énorme. On a la faction ici qui est en train de poser quelques petits problèmes. Certains vont pouvoir peut-être être assimilés en fonction de ce qui se passe. On va aller sur Biribit. En fait, le tout, c'est de regarder Biri. Non, j'ai pas réussi. Mais merci. J'ai dit Biribit. Ok, c'est surtout de voir un petit peu quelles sont les capacités des gens et s'ils sont plutôt proches des pensées de mes personnages. Vous voyez, ils sont plutôt collectivistes, bon, ils sont pacifistes, tant pis, mais d'un côté, peut-être faire en sorte que ceux qui sont... les faire venir ensuite, vu qu'on gagne pas mal d'influence, campagne de rééducation par exemple, émission de propagande, bonheur plus 10%, pourquoi pas, terre d'opportunité, non, unité spirituelle, mais le tout, ça serait de les faire, pourquoi pas, devenir simplement des membres à part entière de nos factions, d'être assimilés hein, tout simplement à l'Empire. Alors, je suis en train de faire hein, des épreuves d'assimilation pour l'instant. Notamment, vous voyez, par exemple, ici, ils ont plutôt une attraction. Personne ne veut quitter pour l'instant la communauté. Par contre, c'est pas dit que certains n'accepteront pas, comme par exemple les Sahara National Committee. Si on regarde un petit peu, il y en a 10 à Riblaga. Donc, on va aller chercher de ce côté-ci. Alors, c'est beaucoup, Riblaga. C'est ça, hein. Il y a quand même beaucoup de... Ouais, on va mettre un deuxième. D'accord, j'ai le choix entre celle-ci qui est pas à moi et celle-ci qui est à moi. Il y a beaucoup de micro-gestion, si vous voulez. Mais d'un côté aussi, il faut pouvoir les gérer. Eux, ils sont collectivistes et xénophobes fanatiques. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas les faire devenir, pour le coup, campagne de rééducation aussi? Ça pourrait être sympathique, hein, suivant ce que l'on gagne. Mais voyez, faire en sorte qu'ils soient plutôt intégrés, ça pourrait être sympathique pour nous. En tout cas, les factions sont pas si énormes que ça. Vous allez voir, elles vont diminuer. C'est surtout celle-ci qui me pose un petit peu problème. 51, 51 unités, c'est beaucoup. Mais ça finira bien sûr par se calmer avec le temps. Donc c'est pour ça que je prends tranquillement mon temps. On va aller acheter un peu d'énergie pour le coup avec nos commerçants de l'autre côté de la voie. De la galaxie, alors nous on leur proposerait du minerai. Non, c'est ça ou non, eux ils nous donnent, d'accord. Moi je voudrais de leur part. On va demander 600 et moi je vais leur donner du minerai. Ah non, ils accepteront pas autant. Ah, ils veulent pas de minerai. Ok, donc là déjà on va diminuer nous aussi de notre côté. On va essayer d'avoir voilà un gain, c'est plus que pas mal. De ce côté-ci, on va récupérer aussi, proposer un accord commercial. On va vous proposer du minerai à hauteur de 500%, ça serait pas mal. Vous allez nous donner de l'énergie. Est-ce que... Ok.
On va récupérer ceci. Est-ce que ce serait aussi partant pour un petit accord commercial? Vous nous donnez? Non, pas du tout intéressé. D'accord. Ça marche. Bah au moins on est plutôt pas mal pour le moment. On a des projets minutés. Beaucoup de débris qui sont encore autour des différentes planètes. Sauf qu'il reste 38 secondes. Ouais, ils vont bientôt être détruits. Tant pis. On va laisser s'écouler. Des accords qui sont acceptés. Très bien. Ça nous permet d'écouler un petit peu nos ressources. Et voyez que les factions ici sont en train de diminuer tranquillement aussi. Ça c'est plutôt pas mal, hein, nos factions. Bon, les factions Thrall vont augmenter, ça c'est tout à fait normal puisque j'ai fait en sorte que certains soient tout simplement comment dire accordés indépendance. Non, soudoyés non plus, ça sert à rien. On va pouvoir fermer la faction ici qui est bientôt sur le point de diminuer, donc pas de problème. C'est surtout ces factions-là qui me posent un peu plus de problèmes. Est-ce qu'on peut faire une action de propagande, pourquoi pas, histoire que il soit accepté, vous voyez que ça diminue un petit peu l'attraction, etc. Pourquoi pas, on va voir ce que ça peut réaliser exactement. On a récupéré un peu de partout. Une première flotte ici, on va la réparer également. Mais j'ai plus de son du tout en fait. C'est assez gênant. Paramètres de jeu, son. Ah mais oui, excusez-moi. Voilà, c'était à cause du live. Je me demandais aussi pourquoi il n'y avait pas de son. Vraiment désolé. Puisqu'on avait fait un live sur Stellaris récemment. Voilà, des colonies sont établies, très bien. Est-ce qu'on a quelques colonies qui auraient besoin de ressources? On va pouvoir leur donner un petit peu. Et on va pouvoir partir aussi sur des constructions surface ici. Est-ce qu'on a des choses à construire? Pas vraiment, là c'est plutôt calme. On a des ressources, autant augmenter les labos pour le coup. On va chercher un petit peu quand même du côté de certains pour améliorer. Ce sera très bien, je pense, d'améliorer comme ceci. Et là je n'ai rien construit encore pour le moment. Là non plus, mais là on va construire. Est-ce que j'ai une centrale bétarienne? Non, ça m'intéresse pas. Académie militaire non plus. On va continuer la science toujours. Tranquillement. Là, on va pouvoir augmenter certains secteurs. Voilà, ça c'est très bien. Histoire d'avoir vraiment de la science et qu'on puisse progresser plus rapidement. Allez, toi, tu vas augmenter. Ça sera très bien. Et toi, tu vas partir aussi sur une recherche. On verra pour améliorer certains autres secteurs par la suite en fonction des bâtiments dont on a besoin. Et j'avais besoin de construire également. Alors, le spatioport de niveau supérieur, non. On va commencer d'ailleurs, on va aller regarder nos cuirassiers. Alors, on m'avait fait remarquer dans les commentaires que, par exemple, j'ai regardé pour perdre le moins d'argent possible. C'est vrai que de ce côté-ci, on s'en moque un petit peu maintenant. On est parfaitement en capacité de maîtriser tout ça. Pour le coup, ça sera très bien ceci. Est-ce qu'on a de meilleurs lasers? Oui. Ça sera très bien. On n'a pas vraiment de meilleurs trucs pour le moment. On va pouvoir sauvegarder. On va avoir de très très bons, très très bonnes unités. On va passer au destroyer que l'on va améliorer bien évidemment. Niveau 4, c'est très bien. On va augmenter notre énergie également. Et est-ce qu'on peut rajouter un nouveau? Bah c'est plutôt pas mal ça même. On est plutôt pas mal en termes de bouclier. Un petit peu d'armure parce que ça fait toujours du bien. On va pouvoir sauvegarder. Est-ce qu'on a mieux d'ailleurs? Oh oui, on a les lanceurs de plasma niveau 2. Ce qui est plutôt pas mal. On va pouvoir sauvegarder celui-ci. Ça va nous coûter de l'argent, donc on va pouvoir bien sûr améliorer un petit peu tous nos vaisseaux. Ça, on va améliorer bien évidemment. Les ressources en énergie également. On va aller là-dessus. Est-ce que j'ai besoin de... Oui, niveau 2. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on va rajouter peut-être un peu d'armure encore. Si je pars là-dessus, déjà, on est largement... On a des très bons boucliers, un petit peu de blindage, bien sûr. Après, on verra un petit peu ce que ça donne en termes d'unité.
Et on va partir sur nos cuirassiers qu'on va améliorer. Alors vous voyez que nos cuirassiers ont des unités, des ailes d'éclairage qui vont permettre d'attaquer. C'est plutôt intéressant pour nous. Après, je vais voir pour armer comme il se doit. Avec un petit peu quelques lanceurs de plasma qui nous seront bien utiles. On va prendre de l'énergie bien évidemment aussi. Va mettre des boucliers larges. À ce niveau-là, ce sera pas mal. Du médium, très bien. Vous êtes bien gentil, mais on va prendre de quoi vraiment s'armer. Ça sera plutôt intéressant. Encore un petit peu de bouclier. Là, niveau 2, ça sera pas mal. On va partir là-dessus aussi. Voilà. Et on va lui mettre du blindage de niveau 3. Et pourquoi pas un tissu de coque régénérative qui sera toujours utile au besoin pour le soigner. D'accord. D'ailleurs, on va revoir un petit peu les autres puisque j'avais pas fait attention. Mais si on a du niveau 3, autant le mettre. Les destroyers de niveau 3. Hop là, ça sera très bien. Et après, on est plutôt pas mal. On a de la flotte ici que l'on va pouvoir augmenter pour le coup. Ça va nous faire un certain coût, mais c'est très bien. Et on va construire donc ici, si possible. Non, je n'ai pas ce qu'il me faut. Quelques cuirassés, quelques croiseurs, quelques destroyers, bien évidemment. Est-ce qu'on a de quoi augmenter là? Non, pas vraiment. Il va me falloir quelques cuirassés, croiseurs, destroyers. Voilà, nos ressources ont été purgées, c'est pas mal. Alors, vaisseau scientifique a terminé. Est-ce qu'on a encore du côté de Jab? Débris, allez, ah. Est-ce qu'on a accès ici? C'est chez nous ou pas? Ouais, c'est chez nous, donc on a des débris ici. Très bien, bah toi tu vas pouvoir venir. Projet de recherche, pourquoi tu peux pas? C'est pas chez nous? Ah non, c'est pas chez nous, autant pour moi. Là, non, on n'est pas chez nous non plus, pour le coup. On a quand même fait pas mal de destruction, hein, ça va sans dire. Et Mascal. Ah oui, on a. D'accord. Bon, on va laisser tomber ça. On va aller observer les différentes planètes quand même. Ça sera pas mal, savoir un petit peu ce qu'il y a autour de chez nous. Ça sera un peu la moindre des choses quand même. Allez, c'est parti. Et on va peut-être découvrir des choses intéressantes. Allez, recherche terminée. Alors, on a des capacités d'énergie, ça c'est pas mal, plus 500%. Et le centre d'alimentation de niveau 2 qui va pas mal nous aider pour le coup. Laboratoire de physique, ça pourrait être intéressant. Vitesse de développement des colonies aussi pour améliorer les colonies, ça serait pas mal. Bouclier avancé pourrait être pas mal aussi pour définitivement protéger, mais je pense qu'on va partir un petit peu sur de la recherche. Laboratoire de physique, ça serait pas mal. Et on devrait être pas mal là pour le coup. Et en termes, voilà, les rébellions, vous voyez, diminuent un petit peu au moins sur les deux premiers secteurs, un petit peu aussi sur le troisième, ce qui est plutôt pas mal. On va pouvoir peut-être partir sur une nouvelle campagne d'intégration. Ships upgraded. Construction complete. System Bien. survey complete. Toi, tu vas t'upgrader aussi. Et on en gagne des ressources par contre, hein, 300 et quelques, c'est énorme. Et on va pouvoir monter la taille de notre flotte de façon impressionnante, je pense. Avant de pouvoir attaquer cet énième secteur. Alors voyons voir, la faction loyaliste est en train d'augmenter, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pour l'instant, elle n'est pas tout à fait à la moitié de la population, mais c'est déjà pas mal. Et les populations dans l'ensemble sont plutôt contentes de nous, ce qui me fait assez plaisir. Et ici, pourquoi? Bon, parce qu'il y a eu des robots en esclavage. Oui, d'ailleurs, on va l'annuler, hein, cette politique des robots. Politique des robots illégale. Voilà, ça sera très bien. Tant pis pour les quelques robots qui sont disponibles.
Ils seront détruits, c'est pas très grave, mais au moins on est sûr d'assurer au moins le bonheur de notre population. Ce qui est beaucoup mieux pour nous. Astéroïde repéré. Mauvais présage du côté de Bardenas. Bardenas, Construction complete. pause. Alors attendez, hop, on va faire ce qu'il faut. On va aller voir ça et on va les protéger. Ça c'est pas mal. Même plutôt très bien. Hein. Récupérer pas mal de ressources pour le coup. Ce qui est loin d'être inintéressant. Alors on va voir l'astéroïde qui a été repéré. Il a été repéré du côté de Bardenas qui fait partie de quel système? D'accord, ici. Donc pour le coup on va prendre notre flotte qui est upgradée et on va lui demander de détruire l'astéroïde à toute vitesse pour protéger la planète. Donc c'est un mauvais présage mais on le détruira pour éviter qu'il détruise la planète. Et nous avons détecté la présence d'une civilisation alien primitive sur Ultrask Point. Elle vit une époque qui s'apparente à Renaissance. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour le coup. Est-ce que l'on va créer ici? Ben, on a un vaisseau scientifique, c'est très bien. Mais dès qu'on a un vaisseau de construction de disponible, on va lui demander de construire un poste d'observation, ce qui serait très bien pour nous. Et moi, j'attends un nouveau monde sur lequel je pourrais coloniser, bien évidemment. Continental, ouais. Tropical, 85... 85% quand même, ici. Est-ce qu'elle est grande, la planète? Pour les Mantan, est à 65%. Donc, c'est peu intéressant dans l'immédiat. Toundra, ok. Toundra tropical. Tropical océanique. J'essaye de trouver une planète vraiment intéressante pour nous. Parce que j'ai des colons hein, qui tournent pour l'instant, qui ne font rien. Ce qui m'embête un petit peu. Est-ce que... ici, elle sera combien colonisée pour... Je peux pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas étudiée, c'est ça? Maintenant 65%, hein, c'est ça. Je me dis que j'ai quand même la coloniser celle-ci. Même si pour l'instant mes colons seront pas très contents. Je sais pas, un vaisseau de colonisation là? Ah, je peux pas encore, ok. Parce que j'ai pas acquis la Construction technologie complete. nécessaire. Allez, où sont nos vaisseaux spatiaux? Ah, l'avance quand même assez rapidement. Bon, on devrait avoir la force de frappe, hein. Théoriquement, ça devrait aller. System survey complete. Ok, là ça a bien diminué. Là ça a pas trop diminué encore, mais ça devrait aller. Construction complete. Ok, on va se laisser une fois qu'on aura détruit cet élément-là. System survey D'ailleurs, complete. j'y pense. Non, pour l'instant, on va pas détruire ces avant-postes, mais les trois qui sont là, faudra finir par les détruire avec le temps. Excusez-moi pour les petites pauses, mais j'essaye de voir un petit peu ce qu'il est possible de réaliser ou non. Il est quand même assez proche pour l'instant. Où est notre flotte? Allez, cours, 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 saute, 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 vol, 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 vol. Elle arrive en contact bientôt, hein, pour le coup. Station under attack. Mais non, il n'y a rien qui est en attaque, il faut arrêter. Tout va bien. Construction complete. Hostile fleet engaged. Allez, on commence à tirer du plasma et regardez-moi sa touche. Alors on a une chance de toucher qui est pas énorme quand même, hein. Vous voyez tous les tirs qui passent ici sont des tirs qui sont ratés. Ok. Gain de minéraux plus 1000. On avait peut-être pas besoin de tout ça, mais pourquoi pas.
Ok, ça a été vaincu, très bien. Research complete. Et on a terminé une nouvelle recherche, pour le coup. D'ailleurs, je me demande si ça vaudrait pas le coup de faire venir notre flotte par ici pour nettoyer un petit peu. Et on a débloqué pardon, les propulseurs à impulsion, ce qui est plutôt pas mal. On pourrait avoir de nouvelles ressources d'attaque. Point de coque des vaisseaux, donc ça veut dire plus de résistance. On va peut-être partir sur les ailes de bombardement classiques qui pourraient être intéressantes si on veut l'équiper sur d'autres vaisseaux. Mais je pense que la coque des vaisseaux déjà sera un point assez important. Voilà. Donc on est plutôt pas mal, on avance tranquillement la colonisation. En tout cas, en termes de faction, vous voyez qu'on augmente quand même, même si c'est pas très rapide. On est passé déjà à 149 sur 312, on se rapproche un petit peu de la moitié. Toujours quelques problèmes, bien sûr, d'intégration ici notamment. Mais là, on va pas pouvoir faire grand-chose pour le coup. Ils sont passés à 14. Il y a Biribit, pardon, qui pose un peu de problème. Ici, on a un petit peu de population également, mais ça devrait se calmer avec le temps. On va voir un petit peu ce que ça peut donner comme secteur posant des problèmes. Pour l'instant, on est plutôt pas trop mal. Donc sur ce, ben moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, partager la vidéo. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!